Bonjour à tous. Ah ben voilà, vous le voyez devant vous, hein. Ce matin, le iPhone 2G est arrivé. Alors on va le déballer, hein, ensemble. Vous voyez, il est fermé entièrement, hein. J'ai juste caché l'adresse, hein, c'est tout, hein. Voilà. Alors ce téléphone, waouh, c'est pas évident. Oui. Ça c'est un bon carton qu'on m'a fait là. Là, je vais m'amuser. Voilà. Alors ce iPhone, il est en très bon état. Il est sorti en 2007. Et puis les collecteurs, comme vous le savez, hein, ainsi que celui-là, et le 4 hein, qui est là-bas, hein, qui finalement a redémarré. Je vous montre ça après. Il y a le logiciel dedans tout. Hein. J'ai rien eu à faire. Il est encore dedans, le logiciel. Voilà. Bon, on va essayer de le sortir. Bon, la facture, ça c'est pour moi. Hein. Voilà. Ensuite. Voilà. Regardez ça. Regardez ça. Alors, il y a juste marqué iPhone. Hein. Ah oui. Attendez, je vais enlever ce. Le scotch, on m'a mis du scotch. Hein. Ça m'arrange pas trop. Alors je vais essayer de pas tout casser. Parce que j'ai besoin absolument de garder la boîte. Hein. Et voilà. Alors il est effectivement marqué. Maintenant on peut bien le lire. C'est un iPhone 2, 8 Go. À l'arrière, c'est pareil. Le scotch m'embête aussi. Décidément. Voilà. C'est ça. Hein. Alors, je le rapproche. Hein. Et vous pouvez clairement voir le numéro de série et tout. Hein. Et l'email du téléphone. Hein. C'est un original. Hein. Maintenant, on va l'ouvrir. Bah, ils sont ensemble. Hein, vous voyez. Voilà. iPhone 3GS et iPhone 2G 8 Go. Alors, je le découvre avec vous. Hein. Alors là, on a le téléphone. Je ne sais pas si le vendeur me l'a chargé ou pas. Je vais tenter de l'allumer. Non. Alors, ce que je vais faire, je vais tout de suite le brancher, hein. Comme ça, peut-être que le temps. Voilà, c'est bon. Impeccable. Alors, je mets ça de côté. Voilà. Alors, on va découvrir ensemble, hein, ce qu'il y a dans la boîte. Alors. Ça, c'est ça. Ensuite, on a le chargeur original. Il faut juste que je voie pour les pièces. Ouais, d'accord. En fait, c'est la version américaine. Regardez, que j'ai là. C'est la version américaine. Ouais. Bon. C'est pas grave, je vais prendre un autre chargeur. Il faut que j'en fasse venir un. Hein. Alors, il faut que j'en fasse venir deux, en fait. Pour l'iPhone 4 et pour celui-là. Alors là, on peut voir le câble. Hein. Voilà, c'est le câble. Oui, visiblement, ce serait, hein, je dis bien, ce serait un original Apple. Ouais, nous avons la pomme dessus. Et ensuite, on peut encore découvrir l'épingle. Regardez comment l'épingle était, vous avez vu ça? Là, je vous montre l'épingle du iPhone 4 hein, qui est là, là-bas. Et ça, c'est l'épingle originale hein, du iPhone 2. Alors, ce modèle est de 2000, il est de 2007. Il a donc 13 ans. Alors, regardons voir encore une fois l'appareil, hein. Alors là, il y a la prise pour les AirPods hein, qui sont là. Ensuite, là, on a un bouton pour vibreur ou son. C'était complètement autrement, vous avez vu ça? Les boutons, comment ils sont? Je rapproche un maximum. Là, c'est volume. Hein. Plus c'est moins. Et puis, on a le bouton Home hein, qui visiblement fonctionne en plus. Hein. Alors, je vais essayer de déverrouiller. Voilà. Ah bah voilà, regardez ça.
Bon, je vois qu'il y a un petit problème, hein. Je pense que vous l'avez vu, hein. Il y a un problème d'affichage. Alors, il n'y a qu'une page, hein. Une seule page. Hein. Oui, il n'y a rien d'autre. Là, on se retrouve tout de suite sur Internet dans la recherche, et là, il n'y a plus rien. Et la roue, voilà, c'est ça, pour les réglages. Vous avez vu ça? Wi-Fi. Et en plus, ils font, regardez, le tactile, il fonctionne. Alors, je voudrais voir, général. Là, c'est incroyable ce que je suis en train de faire avec vous. C'est un truc de ouf. Hein. C'est le deuxième téléphone d'Apple, 13 ans d'âge. Voilà. Et on va regarder ce qu'on a. Utilisation. Le problème, oui, c'est en haut. Information. Je fais défiler doucement. Hein. Voilà. Réinitialiser, faut surtout pas faire ça. Surtout pas. Hein. Parce que si je réinitialise l'appareil, il va se vider de son contenu, une remise à zéro hein, d'usine. Et vu qu'il n'y a plus de logiciel, il était sous iOS 3, celui-là. Alors vu qu'il n'y a plus rien pour lui, je ne pourrai plus remettre le logiciel d'origine, qui est celui-là, hein, c'est celui-là, c'est sûr. Hein. Il n'y a plus de mise à jour, il n'y a plus rien. Voilà, alors nous avons donc. Voilà. Le iPhone 2G, 8 Go. Le iPhone 3GS. On va aussi le sortir. On va les mettre côte à côte et les allumer tous. Voilà. Et ensuite, la vidéo sera terminée. Hein. Voilà. Là, il est. Voilà. iPhone 2, iPhone 3GS. Je l'allume. Voilà. Le logiciel, c'était ça. Là, il y a par contre deux pages. Hein. Le 3GS a deux pages. Voilà. Et ensuite, nous avons encore le iPhone 4. Voilà. Qui est là. Je vais voir sur quoi je le mets. Je vais le mettre sur cet emballage-là. Voilà, du 4S. Hein. On le fait aussi. On démarre. Hier, il n'avait pas démarré, vous vous rappelez. Hein. Alors, c'était iPhone 4 16 Go, ça. Hein. Noir. Voilà. Alors, lui, il a deux pages. Voilà. Là, ils sont tous les trois allumés côte à côte. Hein. Voilà. Avec le logiciel à l'intérieur. Ah bah voilà. Maintenant, il me manque juste encore le iPhone 1 ou iPhone tout court. Si quelqu'un en possède, vous répondrez à mon commentaire. Je vais mettre le premier commentaire épinglé. Hein. Je recherche alors le iPhone 1. Et si quelqu'un veut vendre, je suis preneur. On s'arrangera pour l'adresse, l'hôtel. Je vous donnerai la procédure à suivre pour avoir les coordonnées, vous les miennes et moi les vôtres. Ah ben voilà. Alors cette vidéo se termine et je vous dis à une prochaine. Bonne fin de journée. Au revoir.